Voici la procédure pour le dépistage de l'hémoglobine fœtale dans la circulation sanguine de la mère Rh négatif, aussi intitulé test de la rosette immune. Pour débuter, vous devez vérifier la date de péremption, l'hémolyse ou la détérioration du produit et resuspendre doucement avant l'utilisation. Effectuez une suspension 3 à 5 % des hématies de la mère en solution saline isotonique dans un tube bien identifié, numéro de patient, patiente 3 à 5 %. Préparez 3 tubes 10 par 75 identifiés sur un support. Le premier tube, c'est le numéro de dossier de la patiente, tiret hémoglobine F pour fœtale. Le deuxième tube, c'est le contrôle positif, donc CQ, pose, tiret, hémoglobine F. Et le dernier et troisième tube, le contrôle négatif, CQ, neg, tiret, hémoglobine F. Ajoutez une goutte de réactif anti-D chimiquement modifié dans chacun des tubes précédents. Mettre une goutte de la suspension 3 à 5 % d'hématie de la mère dans le premier tube identifié au numéro de dossier de la mère. Mettre une goutte de globule rouge contrôle positif dans le tube CQ pose. Mettre une goutte de contrôle négatif dans le tube CQ neg. Agiter, puis incuber 5 minutes à température de la pièce. Par la suite, effectuez 4 lavages au lave-globule.